Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par FreePod et Babozor, développement web et innovation collaborative. Wesh, salut les barbus, bien ou bien ? Bien ! Et je suis avec qui ? Je suis avec Adrien de Polygeek. Salut, salut ! Le gauchiste donc, et qui est à ma droite et à ma gauche, Mister Manox. Eh oui, de la aussi l'apéro. Surnommé Anonymous. Exactement. Comme mousse de la bière. Eh oui. Notre ami Manox, donc de l'apéro du Capitaine. Absolutely. Salut, ça boum, ça suit. Et ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire Mumuse avec Arduino et Processing. Oh les boules! Alors qu'est-ce que c'est Arduino? Qu'est-ce que c'est Processing? Qu'est-ce que c'est Arduino? Alors tiens. Tu vas me faire le tien d'heure de vous. Qu'est-ce que c'est Arduino? Alors Arduino, c'est une petite plaque de prototypage électronique. Waouh, mais c'est beau! Oui, c'est beau. Et c'est pas cher, ça coûte 22 euros. Et le but, qu'est-ce qu'on va faire? Le but aujourd'hui, c'est que... C'est quoi ta couleur préférée, Manox? Bah j'aime bien le rouge. Allez, t'aimes bien le rouge. Communiste, va! Ah! Alors, le but, qu'est-ce que ça va être? Ça va être que quand Manox ou Adrien va appuyer sur le bouton rouge, et ben sur l'écran de mon tatateur, il y aura un truc qui s'affichera et qui sera marqué rouge. D'accord. Ça sert à quoi? À rien. C'est juste pour montrer que quelque chose qui est acquis par Arduino peut être retraité sur l'ordinateur. D'accord. Tu comprendras après. Ok. Pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin d'une carte Arduino, d'un super bouton poussoir de borne d'arcade que j'avais dans ma grotte. Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu es sous licence Beerware, monsieur a une bière à te ramener. Oh, merci. Oh, oh mais, merci. Ouais, licence Beerware. Merci, monsieur. Voilà. C'est ça, l'effet magique Comic-Con. Des barbus vous offrent des bières. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que t'as besoin? Un bouton poussoir, c'est pas cher. Ouais. Et j'avais déjà dans ma grotte, donc 0 euros. Un Arduino, 22 euros. Un ordinateur, 200 euros. 0 à plein. Et surtout un câble USB. Et je vais te montrer qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on va plugger. D'ailleurs, c'est Manox qui va le faire. Oh là là, mais attends, j'ai les boules, j'ai pas envie de me prendre un coup de jus, quoi. Attends, faut juste que je vérifie sur quel. Mais non, alors, il est même pas branché. Donc, tu n'as pas de risque. D'accord. Alors je lance, et peut-être qu'à la caméra elle le verra ou elle le verra pas, le petit logiciel Arduino. Ok, jusque là tout va bien. Alors c'est pas celui-là. Non. Je vais reprendre un programme que j'avais fait avant. Là il y a marqué Live Jasmine. Oui mais ça c'est... D'accord, ok. Fallait pas le dire. Donc, tu vas brancher... Oui. Ce truc-là. Câble rouge sur la pin 6. Alors comme tu vois ici, il y a deux modules, alors on va le montrer ici, il y a deux suites de trous. D'accord. Ici c'est analogique et ici c'est digital, donc oh, numérique. Oui. Et toi tu vas brancher un fil, le fil rouge sur le 6. Digital. Et le noir sur le GND, donc la masse. D'accord. Vas-y. Ok, je branche sur le 6. Ouais, très bien. Et le bleu sur la masse, GND. Quel électrotechnicien? Alors je vais vérifier. GND très bien, 6 très très bien. Oh là là, bravo. Ça me rappelle mes cours de techno en 4e. Maintenant. Le porte-clés électronique. Maintenant je vais brancher mon Arduino sur mon ordinateur. Oh la vache! Oh la vache! Est-ce que tu te chies dessus? Ah là, c'est en train de me chier dessus. J'espère juste ne pas mourir quand je vais appuyer sur le bouton. Alors, je vais reprendre du vieux code que j'avais écrit. Alors, c'est pas ça. Alors, je vais déclarer une première variable. Je vais déclarer une première variable qui va s'appeler... qui va s'appeler slugfiction. Voilà, première variable, slugfiction. Parce que si vous voulez des autocollants cool, allez sur slugfiction.com. Ah oui, ils sont beaux, ils sentent bon. Regardez. Ça se mange.
Je sais pas, j'ai pas essayé. Donc j'initialise une variable qui va s'appeler slug fiction. Et ensuite. Attends, c'est quoi déjà? C'est void setup. Crois le bordel. Alors, ensuite, je vais initialiser. Donc, d'abord, je fais le setup, qui, est, qui est la mise en place. Et je vais ajouter une ligne qui est je déclare pin mode, donc la pin 6, c'est un input pull-up. Ok, donc pin 6, input pull-up. Ça veut dire juste que sur la pin 6 digitale, il va y avoir un bouton. D'accord. D'accord. Ensuite, je vais déclarer ma boucle, donc void loop. Tu es d'accord ? Ah oui, void loop, ça me semble bien. Jusqu'à présent, je pense que tu ne t'es pas trompé. Et ensuite... Bah, tu tapes lentement, mais c'est un autre problème. Voilà. Je vais lui dire... Je vais lui dire, va lire... la valeur digitale de la pin 6 et mets-la dans... Slug fiction. Dans slug fiction. D'accord. Qui est ma variable. Ok, donc ça c'est la variable. Et ensuite... Alors je suis un vilain tricheur, je regarde toujours... voilà. Voilà, donc faut tricher, sinon ça marche pas. Hein. Si slug fiction égale low, c'est-à-dire la valeur basse, puisque toi tu l'as mis entre la pin 6 et la masse. Exactement. Ça veut dire... non, en fait, c'était pas ça que je voulais faire. Attends, ça c'est int bouton. Voilà. Donc entre la pin 6 et la masse, attention. Comment je suis trop une masse? Comment tu trouves une masse? Zivan, enculé. Donc, si le bouton est à l'eau, ça veut dire que tu appuies dessus. Donc, je vais mettre slug fiction égale 1. D'accord. Ok. Sinon... Bah alors, une question, parce que tu dis attends, si le bouton est à l'eau, mais il va être mouillé. Bref. Et je vais mettre un délai de 100, ça veut dire tous les dixièmes de seconde. D'accord, donc okay. 100 tous les dixièmes de seconde. Comme ça. Maintenant, ce qui va, la première chose qu'on va regarder. Alors, c'est pas ça. Ah, le bâtard, je l'ai retrouvé. Alors. Voilà. Alors là, on a vu que dans notre code, on dit quand on appuie sur le bouton, on va mettre slug fiction à 1. Ouais. Et quand il n'est pas appuyé, il sera à 0. D'accord. On est d'accord. Maintenant, ouais. Il faut qu'on puisse voir quelle est la valeur qu'il y a dans slug fiction. Donc j'initialise mon serial, c'est-à-dire c'est ce qui permet de parler entre l'Arduino et ma machine. D'accord. Okay. Et voilà. Et ici, je vais me faire un serial point println de slug fiction. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Adrien. Alors maintenant, je vais uploader ça sur ma board Arduino. Donc je compile. Attention, c'est le moment fatidique. Et ensuite, alors je vais dans Outils, Moniteur Série. Et là, tu vois qu'il y a des zéros. Vas-y, appuie. Oh, oh vas-y. Et maintenant, on voit des 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. C'est assez binaire, je trouve, comme programme. Donc maintenant, c'est juste mon Arduino, c'est quand tu appuies sur le bouton. Mais nous, c'est pas que ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse? Hein, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir savoir qui appuie sur le bouton. Non, c'est qu'on puisse afficher sur notre écran un petit programme qui nous dit quand Manox appuie sur le bouton rouge. Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, on a fait l'acquisition de données via Arduino. Maintenant, on va faire le traitement de données via Processing. Ah. Donc j'ouvre un autre programme qui s'appelle Processing. Et heureusement, j'ai mon exemple qui est bien là. et dont je vais piquer plein de bouts de code. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. La première chose que je vais faire, vu que je veux que Arduino dialogue avec mon ordinateur, je vais importer une librairie qui s'appelle Serial. Comme on a vu tout à l'heure. Ok. Jusque-là, tu comprends?
Ouais. Non. Jusqu'ici tout va bien. Alors, et c'est un peu comme sous Arduino. T'as un setup. Et dans le setup, alors là, ça sert à rien de l'inventer. Il vaut mieux aller le copier, faire du gros copier-coller. J'initialise mon truc pour que MyPort ce soit le serial qui communique. Ok ? Oui. Et ensuite, on a une autre boucle qui fait void draw. Ça veut dire dessine, puisque là, on est sur le processing. Autant Arduino disait loop, et là, processing, il dit draw. Ça veut dire dessine. Donc d'abord, je vais lui dire quelle est la taille. Ah, putain, c'est pas ça que je voulais faire. La taille de ce que tu veux dessiner. C'est là où je sens que Manox, il est perdu. Je vais définir. Je suis largué. Je vais définir, parce qu'en fait, là, je vais créer une application. Donc je vais définir la taille de mon application. Ça va être 800 par 600. D'accord ? Et ce que je veux faire, c'est que je veux imprimer start en gris sur fond noir. D'accord ? Magnifique. Derrière moi, il y a des types déguisés un peu partout. C'est la fête, hein. C'est le Comic Con, Japan Expo, voilà, cosplay. Et puis Bozor qui est là. Et oui. Voilà. Et Adrien, il y a tant de monde pour. Hein, plein de voir petites japonaises. Voir cette émission. Plein de petites filles. Voilà, attention, j'appuie sur le bouton là. Ah, oh, ça marche. Bravo. Ça marche, ça vient. Allez, start. Vas-y, on va entrer les caméras. Vas-y. Start. Voilà, donc j'appuie. Monte. Ah, petit. Ah non, ça marche. Alors de temps en temps, alors là. Oui. Si de temps en temps il clignote, c'est parce qu'en fait, nous on va interroger ça tous les dixièmes de seconde. Donc il faudrait dans le programme faire un debounce, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vérifier que ton état il change bien. Ouais. D'accord. T'as rien compris, mais c'est pas grave. Faut faire un debounce et après ça ferait que ça clignotera plus. Voilà. Mais là, le but et la démonstration, c'était tout simplement de montrer qu'avec un Arduino et ça, on pouvait capter le signal via la board Arduino et la réinterpréter sur l'ordinateur via processing. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, ça ouvre plein de possibilités. Ça peut ne pas être un bouton, ça peut être un capteur de température, ça peut être un capteur de pression, ça peut être ce que tu veux. Un flashlight. Voilà. De savoir quand Lord ton père est en train de bourriner son flashlight et mettre une alerte. Genre, attention, alerte Lord ton père. On tweet. Voilà. Tu peux tweeter en live quand Lord ton père utilise son flashlight. En tout cas, c'est assez marrant, faut dire, de ces trucs-là. Ouais, enfin, c'est vrai qu'on peut faire plein d'applications, surtout avec les petits boutons d'arcade, ça peut être sympa. Bah ouais. Et toi, Adrien, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire avec ça. Est-ce que ça t'a donné envie de faire Mumuse avec Arduino et Processing ? Grave, surtout avec l'émission précédente que t'avais enregistrée à Comic-Con. Avec les deux, ça donne vraiment envie de faire des trucs sympas. Cool, et ben c'était le but. Voilà, alors fail pour la caméra principale, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, on s'en fout, c'est la vérité. Voilà, on est en live avec plein de gens autour de nous, c'est le bordel. C'est... Non, mais là en fait, ils voient qu'il n'y a pas de gens. D'accord, mais ils sont là quand même, je vous le dis. Et ben voilà, donc comme d'habitude, hein, s'ils ont des questions ou des insultes, ils peuvent envoyer un mail à manox@captainweb.net. du barbu @gmail.com. Aussi, oui, c'est vrai. Ils peuvent aussi envoyer un tweet sur twitter.com/lagrottedubarbu ou Dr Manox, voilà. Et puis aussi ou Pédovert. ADHUMI. Voilà. Hein? Attends, comment tu dis? ADUMI. ADHUMI. ADHUMI. AMI. Bon, c'est un peu le bordel, hein, ouais. On s'en fout. Alors, je vous invite tous, bande de bâtards, à aller sur slugfiction.com
pour acheter des jolis autocollants que même que c'est Manox qui les a designés. Ouais. Voilà, c'est vrai. Et c'est de la très bonne qualité. Vraiment vrai ? Ah, c'est vraiment vrai, puis c'est pour tout. Voilà. Bah voilà, un petit bouton. Je vais coller immédiatement. Regarde, c'est vraiment le même. Hein. Hop. C'est son petit frère. Voilà, et alors je remonte peut-être le petit Arduino quand même. En attendant. Montrer à quoi ça ressemble. Tu fais bien le présentateur de téléachat, Manox. Oui, mais je l'ai fait à une époque. Je le mets où le bouton Ah bah faut que tu le mettes sur un côté peut-être, ou où tu veux, je sais pas. Parce que ouais, le Mac de Babozor est assez envahi de trucs divers et variés. Il a doublé d'épaisseur un peu. Et son Don't mess with Pédobert. Don't mess with Pédobert, je le mets où À la place de l'Empire Galactique. Allez. Pédobert, Empire Galactique, même combat. Hein. Bah en même temps, tu vois, voilà quoi, Anakin... Ah maintenant, Anakin, il était gérontophile. Ah oui, Anakin, il aime bien les vieilles. Il aime bien les vieilles Jawa, quoi. Bah même, non, sa meuf, elle avait genre 15 ans de plus qu'elle, quoi. Ah c'est clair, ouais. Ce vieux pervers. Pervers pépère. Il aime quand c'est vieux, quoi. C'est beau, ça. Il aime le baveux. Padmé, c'est une cougar, en fait. Donc voilà, chopez des Arduino, faites mumuse avec, allez sur Slug Fiction, allez écouter les épisodes de l'apéro du Captain, de Polygeek, de Freepod, ouais. Et puis que la barbitude soit avec vous. Ouais, que la barbitude soit avec vous.